ខ្ញុំជីជៈរុំទុំសម្បូរមុនអាគមអីសៃអីសុងខ្លាច់បងទាំងអស់ជើប្រីព្រឹកសាបសៃបសាក៏ធ្លាប់ប្រោះវិយោដល់បច្រាស់ស្លឹកឈើស្វត់ទាំងអស់ឲ្យយកពធោស៊ីជុកក៏បងពូកែដល់នឹងមនុស្សពូកែប្រូស្លឹកសង្កែខ្នាំខ្លាំងជុកមកដល់13គីឡូប៉ាហ៊ីមុខកញ្ចក់តើតែរាប់ដល់4គីឡូយកបង្គីដាក់អាចចំហោះវត្តដាំទុរេននៅទឹកជួ Je suis né au Cambodge. Ma famille, on est parti en 75, avant quelques jours avant la chute de Phnom Penh. Heureusement d'ailleurs, parce qu'après il y a eu un sacré génocide. Mais par contre, j'ai jamais nié que j'étais un Khmer, quoi. J'ai toujours su que j'allais retourner chez moi, quoi, un jour. J'ai toujours su. Et je suis un des premiers Asiatiques en France. Qui est rentré dans ce mouvement. C'était en 84. J'ai fait une des premières boîtes qui s'appelait le Globo. Après, quand j'étais rentré, j'étais le seul Chinois, quoi. Enfin, le seul Khmer. Mon frère, lui, il avait son groupe qui s'appelait la CIA, Criminal in Action. En arrivant au Cambodge, son premier réflexe, c'était de trouver des gens qui aiment la musique. Il est tombé sur un ami, ils ont sorti le premier CD. C'était le premier CD hip-hop au Cambodge. C'était en 2001 ou 2002. Il y a même des fans, lui, qui disent que c'est le Dr. Dre de l'Asie. Au Cambodge, ça marche très bien. Le hip-hop, c'est ce que les jeunes écoutent à 80%, quoi. On emploie des anciennes musiques khmer des années 50, 60, 70. Parce qu'en ce moment, les jeunes d'aujourd'hui, ils sont vachement influencés par la musique étrangère. Ils oublient pratiquement nos anciennes musiques et c'est ce qu'on essaie de leur faire rappeler pour pas qu'ils oublient. C'est notre identité, donc on voudrait aussi avoir notre hip-hop, quoi. To me, it's pretty much just talking about real life and what Cambodia need to be have, and to show them the difference how to help people, to give people an opportunity to do something big.